La FIDOP a fait des recommandations pour éviter à la Côte d'Ivoire une autre crise post-électorale en 2025. La FIDOP recommande donc, premièrement, que la CEI soit totalement, mais profondément réformée pour n'être principalement conduite par des personnalités issues de la société civile et avec un président qui pourrait être désigné à l'issue d'un appel à candidature ou même à l'issue d'un vote indirect et pourquoi pas d'ailleurs un vote au suffrage direct. Cela est possible. Nous avons des propositions à faire dans ce sens. Mais également, la FIDOP voudrait que les listes électorales soient profondément auditées, toilettées et régulièrement mises à jour en 2024, mais également en 2025, avant l'élection présidentielle. De sorte que les vainqueurs des futures élections soient irréprochables.